Yoshida, vous êtes né à Tokyo et vos parents font partie d'une grande lignée samouraï japonaise, l'ancien système féodal dont les descendants survivent de petits commerces sur les terres familiales et sont très très ancrés dans la tradition. En révolte, vous allez au bout de votre désir de créer. Alors compromis avec le commerce, vous empruntez la filière mode et vous montez votre maison de couture, comme on dit. Puis au bout de 8 ans, 8 années d'une vie qui ne vous plaît pas, vous plaquez tout. Le pays, la mode, la famille, le fiancé, pour la création et la France. Alors aujourd'hui, votre travail intègre le choc de deux cultures, celle que vous avez amenée dans vos bagages, et puis celle que vous avez découverte ici. Alors, formidable photo, puisque vous êtes photographe, hein, habitée d'une femme, vous, qui s'empare de tous les repères du monde. Votre expo s'intitule « Là où je ne suis pas, profil ». On descend mon chat. Ça, c'est mon atelier. Allez-y. Il y a plein d'œuvres inédites dans mon atelier. Et je n'ai jamais encore présenté. Je commence à faire des peintures sur le toile photographique. Puis le mur, il y a un petit... série de photographies et titrées La mariée. J'étais un vilain canard au Japon et j'étais tellement différent que les autres que je ne suis jamais intégrée dans un contexte japonais. Donc j'ai décidé de quitter, m'offrir ailleurs pour trouver ma vraie vie. Et c'est là il y a des vêtements que j'ai utilisé pour mon autoportrait. Ils sont là, ils attendent la nouvelle série. Ce qui me fascine, c'est comment elle décline l'autoportrait à la japonaise, mais en même temps en incluant dans son travail toutes les réflexions sur l'histoire de l'art. Il y a une façon de voir le réel qui, je trouve, est assez trouble, en fait, au bon sens du terme. Donc c'est une vision qui n'est pas une vision commune des choses. Et je trouve que c'est très intéressant parce que j'ai une galerie de photos et d'art et que je pensais que c'était un travail qui reliait la photographie à la peinture. Oui, c'est la fin. À bientôt. C'est très beau, hein? On est très séduit, c'est magique. Alors, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé et marqué quand vous êtes arrivé en France? C'est une rencontre avec l'art baroque, que j'ai absolument pas de culture de savoir qu'est-ce que c'est religieux catholique, même pas je connaissais pas qu'est-ce que c'était religieux juif. C'était vraiment, j'étais inculte et j'étais vraiment dans la famille de samouraï, aussi c'est famille de bouddhistes, shintoïstes. Vous fabriquez des œuvres qui procèdent de la technique du détournement. Vous avez choisi de détourner les objets de la vie, les icônes de l'histoire, les chefs-d'œuvre de la peinture. Pourquoi? Alors, j'ai commencé autoportrait depuis 2001. J'ai cherché à le transformer parce que autoportrait, c'est ma nature. C'est un corps qui vit avec. Donc,
Et moi, ma création, le cœur de ma création, d'abord, c'est la transformation. C'est la deuxième série de travail qui parle de peinture, de l'art, qui c'est détournement. Et ça détourne l'histoire de l'art. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est un essai de communication, quoi, une mission impossible? Ah ben si, surtout, le fait est qu'en venant en France, elle découvre une autre culture européenne, elle qu'elle est. Communique avec voilà, cette culture. À se l'approprier. Et surtout, comme elle est, avant, elle était styliste. Et quand j'ai vu ses monographies, il y a un travail sur les vêtements. C'est vraiment énorme, superbe. Énorme. D'abord, le détournement des chefs-d'œuvre de la peinture. Hein, Picasso, Matisse, Gauguin, Rubens, Delacroix. Vous convoquez beaucoup de monde autour de votre visage qui devient finalement anonyme. On regarde. Et votre visage, chaque fois, qui finit par devenir voilà, le lien, enfin, le passage d'un imaginaire à l'autre. Chaque prise de vue, je l'appelle la cérémonie de disparition. Donc, je me maquille moi-même pendant 4 heures. Et c'est le couleur de fond. Donc, si c'est fond blanc, je peins blanc. Et elle est en train de, mon visage et le corps est en train de disparaître. Alors, vous avez parcouru le monde pour chercher des objets, disons, signifiants de civilisations, qui ne sont pas civilisations japonaises, parfois des civilisations disparues, pour habiller ce visage anonyme qui est le vôtre. Alors, je propose qu'on regarde. Vous bousculez le sacré, vous bousculez les convenances. Jusqu'où vous avez envie de faire ça? Oui. Jusqu'où on peut le faire? C'est quoi le bout de ça? Le bout, c'est la limite de physique quand même. Comme je maquille très épaissement et avec beaucoup de pigments purs qui sont sur le corps. Et donc, c'est la plus grande limite, c'est la physique. La peau qui ne supportait pas au bout d'un moment, c'est l'intoxication et tout ça. Mais votre imaginaire peut vous emmener... Ah oui, ça c'est vraiment... Changer d'époque, changer d'espace. Oui, j'ai aussi porté des couronnes, les premières couronnes de l'humanité. C'est la 9000 ans. La bronze. Ouais. Et j'ai rencontré des objets à l'ancienne inuit, je porte, c'est interdit de toucher, mais je porte du maquis. J'ai déjà. Vous avez fait la mariée et Touareg. Et aussi, j'ai fait tatouer, parce que Touareg, il y a des tatouages bleus, si je ne me trompe pas. Et c'est très belle chose. Jaune. Oui, voilà. Et je l'ai fait déjà. Alors, vous dites que j'ai fui le Japon parce que j'étais morte. Je pense que à ce moment-là, j'ai de mourir. Oui. Et j'étais prête à me suicider. À ce point-là. Voilà. Il y a le poids de la famille de samouraï. Et les parents sont très classiques. Et que ce que j'ai fait, j'ai voulu devenir un artiste depuis l'âge de 3 ans. Mais mon père a tout saboté. Et au moment donné, le professeur de musique qui vient lui demander, plier de lui donner l'étude supérieure. Mais on ne m'a jamais donné. Il a saboté, saboté. Après, j'ai rencontré un fiancé. Il m'a donné tous les moyens de vie magnifiques, mais ce qu'il a fait, il a saboté de ma carrière de artiste. Oui.
Il était il avait une grande maison de publication au Japon sur la mode et il a saboté. Donc il n'y avait aucun moyen d'épanouissement personnel pour vous. Alors le déclic, ça a été, vous étiez toute petite et vous avez découvert que le mariage de vos parents était un mariage arrangé. Oui. Le jour même, ils se rencontrent. Ils ne savent pas la tête, ils ne savent pas le... Ils ne se connaissent pas. Et c'était tout est vraiment structuré autrement qu'ils se marient. Ça va encore de ce cas-là. Moi, je suis née dedans. Et pour accepter d'être née dans cette combinaison, sans amour d'histoire, là, je suis vraiment... Et la révolte a commencé là. Pleurer. C'est pour ça que vous avez fait la série sur les mariés. Qui s'appelle La Marimi. On regarde. Somptueux. Votre objet, Kimiko. En fait, je ne suis pas très objet et je n'ai pas d'attachement avec objet. Oui, mais... Mais plutôt, et donc j'ai pris ça parce que c'est la mémoire. Et donc, moi, j'ai envie de fuir quelque part, toujours. Mm-hmm. Et donc, une robe et le disque dur, celui-là, et toutes les images. Toute ma vie. Et, bon, et demain, vous pouvez partir avec dans le désert. Désert, commencer une nouvelle vie. Sans problème. En fait, c'est vous la nomade. Oui, je suis un peu... L'exposition à Munich jusqu'à fin janvier. Mais si vous ne pouvez pas y aller, il y a ce livre. Voilà. Chez Actes Sud, Là où je ne suis pas. C'est un superbe cadeau de Noël, comme le livre de Don, d'ailleurs. En attendant... On va sur votre site kimiko.fr pour vos dates et pour vos lieux d'exposition. Merci à vous de votre fidélité. À la semaine prochaine.